pouvons pique-niquer sous cet arbre, qu'en penses-tu? Excellente idée, Sarah. J'ai tellement faim, je crois que je vais manger tous les sandwichs. Je me régale déjà. Oh, Jacob, qu'est-ce que c'est? Oh, Jacob! Oh, mon petit frère, réveille-toi! Une âme vivante de plus pour Corpus. Le monde a l'air d'aller, alors je vais pouvoir regarder un petit peu la télé. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'était une très forte explosion. Oh, une catastrophe de plus. Il y a encore de nombreuses bagarres. Non, c'est pas vrai. La guerre des gangs. Non, c'est vraiment pas drôle. 523 chefs et que des mauvaises nouvelles. Oh, Royal, le jeu le plus débile du monde. Je crois que j'ai trouvé l'énigme, j'espère que c'est juste. Mighty Max, allez à l'angle de la 4e rue et de Elm. C'est Virgile. Il a toujours des idées incroyables. Voilà, je suis au bon endroit. Gentille porte, où tu es? Oh, mais il n'y a pas de porte ici. Oh, j'ai peur de regarder. Oh, Royal. Qui a dit que c'était génial d'être Mighty Max? Notre Mighty Max va arriver maintenant. Veuillez, je vous prie, extirper Mighty Max de la gadoue, Norman. Tu m'aurais prévenu, je n'aurais pas mis mes nouvelles baskets. Encore une fois, le devoir vous appelle, Mighty Max. Oh, ben voilà une bonne nouvelle. Alors dis-moi, où est-ce qu'on va cette fois? Tahiti, Monte Carlo, Barcelone. Notre destination est Schlepak, un petit village d'Europe de l'Est. Schlepak? Oui, bien sûr, c'est comme des foules. La population de Schlepak est en train de disparaître. Oui, et nous aussi. Qu'est-ce qu'on fait là, dans la vase? Ce n'est pas de la vase, ce sont des sables mouvants. Oh, oui, c'est des sables mouvants. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous sommes juste au-dessus d'une porte qui se trouve à quelques mètres de la surface. Virgile, tu es sûr de ce que tu dis? Certain. Quelle bande d'insouciants! Ils voient leurs voisins disparaître un à un et ils pensent que ça ne peut pas leur arriver. Ils dansent alors qu'un monstre est peut-être en train de les épier. Mon propre fils à moi est parti. Et ils ne veulent rien entendre de mes avertissements. Oh, celui qui n'a pas de nom, après mon frère Jacob. Celui qui n'a pas de nom, Jacob, Jacob. Oh, la pauvre petite, elle aussi connaît ce grand malheur à présent. Mais combien vont encore disparaître avant qu'on arrête le monstre? Hé, hey, regardez, c'est la grande mode des culottes de cuir. Leur coutume et leur habillement semblent quelque peu étranges, mais c'est un peuple adorable et pacifique. Oh, je suppose que c'est leur signe traditionnel de bienvenue. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Nous venons en paix, monsieur. Norman, rangez votre épée, il ne faut pas les affoler. Menteur! Il vous a envoyé! Qui il? Lui! C'est lui! Oh, lui! Oh, vas-y! Ah!
Cette énorme chose rose et collante te fait penser à quoi? C'est absolument fascinant. Elle semble être en partie organique, pourtant il y a du métal. Étrange paradoxe. Cachez-vous. Impressionnant, vu de près. Et vous pouvez toujours courir, bande de rats. Vous ne m'échapperez pas. C'est moi, le maître. Encore un qui a explosé ses neurones. Une espèce de fou. Rendez-moi mon fils. Très intéressant, ça n'a absorbé que le métal. Oh, ouais, normal, il est jamais là quand on a besoin de lui. Oh. Tu m'as appelé. Encore un qui ne sert à rien. Écrase-le. Mauvais. Très mauvais. Vraiment très mauvais. Partons d'ici, Mighty Max, vite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi naturelle. On ne peut pas mettre 2 kilos de fertilisant dans un sac de 500 grammes. Royal, j'ai enfin un sujet pour mon exposé de science. Je veux mon épée. C'était un cadeau. Tu crois que tu vas pouvoir m'arrêter? Impossible! Tu ne pourras pas m'échapper. Personne ne peut. Vous allez tous m'appartenir, tous autant que vous êtes. Je détiens le pouvoir. Et mon nom est... La Gadou, ça va très bien. Et Gadou, oui! Non, je ne m'appelle pas Gadou! Ils pensent qu'ils sont plus forts que moi. Ils n'ont aucune idée de mon pouvoir. Tous se souviendront du nom. Norman, on a perdu. Comment elle s'appelle? Le monstre n'est plus derrière nous. Pourquoi? Est-ce qu'on court encore? Excellent exercice. Oui, tout à fait le moment de s'entraîner. Oui. Mighty Max, regardez là-bas. Arrêtez. Nous allons nous installer dans cette maison, le temps de réfléchir à notre prochaine stratégie. J'espère qu'on va manger. Non. Quelle belle carrure. Écoute, si je peux, je ferai agrandir la porte la prochaine fois. J'attends dehors. Tu as dit que tu avais faim. Tiens. Oh, ça fait une heure que mon estomac réclame. Un beurre de cacahuète. Hein. Il faut drôlement le mâcher, ce beurre de cacahuète. Il y a quelque chose d'autre. Des oignons. Des oignons. C'est un gréviste, notre plat national. C'est... Oui, écoute, une autre fois, ne mets pas les oignons, d'accord? Tu n'as jamais essayé avec un peu de gelée de framboise? Un gréblique avec de la gelée? Ça doit être infect. Oh, et du thon au caramel chaud, est-ce que tu as essayé? Bah, oh non! Moi non plus, j'en ai pas l'intention. Et Sarah, tu veux que je te fasse rire? Virgile, est-ce que tu veux du gréblique? Non, merci, j'ai un estomac délicat. J'y fais très attention. Oh, mes chers trésors, certains vous appellent des jouets toxiques. Vous êtes mis de côté, écartés du monde, tout comme moi. Pour eux, j'étais une poubelle, le trieur des détritus de la ville, une espèce de chose invisible, un moins que rien, un homme sans nom. Jusqu'à ce que je vous trouve, et maintenant, c'est eux qui ne seront plus rien, et tout le reste sera dans Corpus. Et moi, je serai le grand maître. Ah!
va? Tu ne t'endors pas, j'espère. Norman? Norman! Pauvre Norman! Je ne comprends pas. Comment peut-on perdre quelqu'un d'aussi grand? Ou quelqu'un d'aussi petit, comme mon frère Jacob? Ouais, Eureka! Vous avez trouvé un trésor? Je ne sais pas. C'est soit l'empreinte la plus grosse du monde, soit un lac desséché. En réalité, il y a de nombreuses petites empreintes logées dans une énorme. Énigme intéressante. Oui, et ça va peut-être nous conduire jusqu'à Norman. Ben dis donc, ils sont vraiment pauvres ici, les gens, ils ont même pas de voyelles. La vue est absolument impressionnante, n'est-ce pas? Où sont les gens? Je ne dirai que deux mots de cet endroit, pollution et odeur. Si vous n'arrêtez pas ce fou, cette innommable créature, ce désastre arrivera bientôt à Schleppack et petit à petit dans toutes les villes du monde. Exactement. Oh, mon petit poulet. Voilà-t-il, je vous prie. Bienvenue dans ce monde où la devise est, à plusieurs, on ne fait qu'un. À votre avis, lequel des trois est le plus féroce? Attaquez, mes chéris, attaquez! Oui, gentil. T'as pas une idée? Oh, ça, c'est le mot. Non. Qui veut un griblic? Alors comme ça, plusieurs, on ne fait qu'un. Ils pourront toujours essayer de mordre quelqu'un maintenant. Oh! C'est le monstre de mon cauchemar, celui avec plein de visages. Bienvenue dans Corpus. C'est l'heure de la récréation. Oui, bonjour mon grand. Attends, j'ai un délicieux griblig. Est-ce que t'en veux? Non, je le crois pas. Virgile, ça ne fait pas partie de mes attributions. Vous n'avez pas été embauché, Mighty. Vous avez été choisi. Continuez à courir. Corpus à de grandes jambes. Franchement, ça fait désordre. C'est infernal. Je ne sais pas qui il est, mais il est là. Le premier monstre absorbe le métal. Le deuxième absorbe des êtres. Apparemment, la première victime de cette chose rose attire sa propre espèce. Dans ce cas, le monstre est un humain. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de celui-là. Alors, espèce de moins que rien du tout, vous vous êtes fait battre par moi. Et moi, je suis... Jacob! Jacob! Non, pas Jacob! 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 Jacob, mon petit frère! Attrape-les! Attrape ces minables!
secours! Voyons, ma petite, qu'est-ce que tu racontes? Non, non, elle a raison. Regardez, regardez bien. Ce n'est pas un monstre, ce sont vos amis, vos voisins, votre famille. Regardez à l'intérieur. Oh! C'est une supercherie. Il faut à tout prix détruire ce monstre. Stanislas, mon fils. Oh oui, Gris! Tatiana! Norman, c'est bien toi? Allez, mon grand, réponds-moi. C'est pas comme ça qu'on traite un ami. Hé, on est copains. Tu ne te souviens pas de moi? Non, c'est pas possible. Ouvre tes yeux, allez. Absorbe-les, Corpus. Absorbe-les, je les veux tous. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne craignez rien, Mighty Max. Norman ne vous fera jamais de mal. C'est votre gardien. Oui. Bon, d'accord. Il est mon gardien. Eh bien, on va voir ça. N'approchez pas de mon palais! Attrape-le! Allez, Norman, sauve-moi! Tu ne voudrais pas voir ton copain devenir une tartine grillée? Non, Mighty Max, ne faites pas cela! Au revoir, mon cruel! Adieu, Norman! Oh. Espèce de grosse brute! Ce garçon n'est absolument rien du tout qu'il brûle! Hey, regarde-moi! Non! Un pas de plus, je suis arrondi! Norman, tu m'as manqué, tu sais. Désolé, c'est indépendant de ma volonté. Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? On appelle ça la fin. Terminé. Vite, Mighty Max. Il faut retirer les matières organiques du corpus et le détruire. Matières organiques? Tu parles des gens. Précisément. Allons-y, vieux frère. Avec plaisir. Le pique-nique est fini. Ah. Allez, à tout le monde dehors. Libérez-les tous. Libérez-les tous. Ouais. Non, 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 non. Corpus est à moi. Vous devez tous vous joindre à lui. Et t'as vu, ton corpus, il se désintègre. Eh oui, je crois que oui. Schlippak est drôlement gay comme village. Et je commence à aimer le Griblick. Les imbéciles, ils pensent que je suis battu. Mais je reviendrai. Et ils connaîtront tous mon nom. Ils connaîtront tous mon nom. Et mon nom est... numéro 6380. C'est pas mon nom. Non, non, c'est pas mon nom. Prisonnier numéro 6380, corvée de patate! Non, non, pas de patate! Quelquefois, un de tes amis peut avoir des problèmes. C'est peut-être sa faute, mais ça ne l'est peut-être pas. C'est ce qui est arrivé à Norman quand il s'est fait absorber par Corpus. Quand ce genre de choses arrive, il est bon de leur tendre la main et de ne pas leur tourner le dos. Tu es peut-être celui dont ils ont besoin pour s'en sortir. Tu es d'accord, Thor? À bientôt.